l'urgence du désenclavement, la construction de routes d'intérêt national et de l'aéroport est une priorité. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ils ont été renforcés en capacité pour bien assurer la mission leur assignée dans le cadre juridique. Les officiers de police judiciaire de la 14e région militaire étaient à l'école de formation. Reportage. Au total, 30 officiers de police judiciaire de la 14e région militaire et de l'état-major du renseignement militaire ont pris part à l'atelier de formation sur les normes internationales et nationales interdisant la torture. C'était le 20 juillet 2021 à la salle des réunions de la 14e région militaire. Au cours de cet atelier, les participants ont suivi tour à tour les exposés des différents intervenants sur les normes internationales et nationales criminalisant la torture, la politique de diligence voulue par les Nations Unies en matière des droits de l'homme, les conséquences de l'usage de la torture et incidences sur le plan physique, mental et judiciaire, ainsi que les droits de la personne arrêtée. Le gendarme de brigade Ilondo Efondo Igo, commandant 14e région militaire, a, dans ce monde de clôture, invité les participants à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris par les comportements conformes aux lois universelles. Ce que vous avez reçu comme matière, ce n'est pas seulement comme théorie, mais il faut aller le pratiquer. Et chaque fois, nous faisons des ateliers, des séminaires pour des remises à niveau, des formations entre nous. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Nous devons apprendre chaque jour. A noter que cet atelier était organisé en partenariat avec les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, représenté par sa coordinatrice, Madame Erika Boussi. Un groupe de jeunes à Kisangani a pris le goût de scroquer même dans la structure administrative de la province, utilisant soit une autre identité, soit le trafic d'influence. Ce malfrat sont tombés malheureusement dans le filet de service de renseignement national de la Tchopo. Leur présentation au public avec nos reporters de la RTNC Kisangani. Reportage. Quelques jours seulement après les états généraux de sécurité, les retombées sont là. Les vaillants éléments des services de renseignement viennent de mettre la main sur plusieurs groupes de hors-la-loi qui troublent la quiétude de la population. Les premiers à être dénichés, il s'agit des infirmiers titulaires des deux zones de santé Lubunga et Kabondo qui vendaient les moustiquaires imprégnés d'insecticides qu'on devrait remettre gratuitement à la population, étant donné que la Tchopo est dans une zone endémique. Au total, 32 ballons. Le deuxième groupe est composé des hommes et femmes vendeurs de ciments contrefaits qui passent aux AV. Ce n'est pas tout. Les jeunes mexicains qui troublent la quiétude des élèves et enseignants et le bon fonctionnement des écoles sont aussi arrêtés, y compris les voleurs qui ravissent les biens de la population aux alentours du site H, dans la commune Mangobo. La ministre provinciale du genre, qui accompagne l'autorité provinciale, n'en revient pas sur les actes posés par les femmes et enfants. Comme responsable et ministre du genre, nous regrettons vraiment de voir que c'est la femme qui est dans une sale affaire, parce que c'est un crime économique et ça n'apporte pas le développement de la province et ça n'honore pas la femme. Jean Tongo Bandamalé, gouverneur de province ad intérim, avant de fixer l'opinion sur les sorts réservés à ces malfrats, félicite le travail des agents de sécurité tout en insistant sur les changements de mentalité pour booster le développement de la Tchopo en particulier et de la RDC en général. À en croire les gouverneurs de province ad intérim, les services de sécurité restent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs en eau trouble. Numériser toute l'administration publique pour faciliter l'obtention de documents et de la communication intersécrétariat ministériel est une nécessité. Le point focal des différents ministères était en réunion à Caritas Congo sur ce projet à caractère numérique. Patience Mboyo nous en parle. Lors de la 8e réunion du Conseil des ministres, il avait été décidé d'évaluer la maturité numérique des différentes administrations de l'État, des entreprises, établissements et services publics. L'objectif de cette démarche est de recueillir les pratiques technologiques dans les structures étatiques, enfin de mieux accompagner ces dernières et d'inscrire le résultat dans le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que les experts des différents ministères du gouvernement Sam Malukonde se sont réunis
pour échanger autour de cette problématique. Réunion au cours de laquelle a été présenté les formulaires d'évaluation de la maturité des systèmes d'information de l'État. La mutualisation des ressources, la mutualisation des forces par rapport à l'action du gouvernement. Au lieu d'aller de travailler de manière éparse, que tout soit numérisé pour une efficacité et puis atteindre dans le délai, dans le bon timing, les résultats attendus ou les objectifs fixés par le gouvernement. Le numérique, ce n'est pas seulement pour les personnes vivant avec handicap, c'est pour tout le monde. La numérisation aujourd'hui, elle est importante parce qu'elle permet un gain de temps, d'énergie et d'argent. Et elle permet également une augmentation en termes d'efficacité dans tous les secteurs. Le processus d'évaluation vise également à collecter tous les projets à caractère informatique. Il a aussi été question à cette réunion de présenter aux différents représentants des ministères la plateforme mise en place par le ministère du Numérique dans le besoin de la cause. Les routes d'intérêt national sont totalement délabrées, les avions n'atterrissent presque plus. La province de l'Équateur reste enclavée malgré le désir de moderniser l'ensemble du pays. Leurs députés provinciaux sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour sortir cette partie du pays du gouffre. Ils l'ont dit au vice-ministre de Transport, Voie de communication et désenclavement. Souzingoy nous en explique. Ni des poules sur la piste de l'aéroport de Mbandaka, manque des voies de communication, c'est le tableau sombre du secteur des transports dans la province de l'Équateur. Cette situation occasionne son enclavement. Pour trouver une solution durable, une délégation des députés provinciaux de l'Équateur a rencontré le vice-ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Marc Ekila exhorte ses hôtes à l'unité pour atteindre les objectifs du développement. Satisfait des assurances reçues du vice-ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements avec le projet de réhabilitation de l'aéroport de Mbandaka, les élus provinciaux de l'Équateur se disent prêts pour l'accompagnement. Pour chercher la paix, car prenez les prédats de la République et la stabilité des institutions, nous étions venus voir les ministres et il nous a prodigué des conseils d'être ensemble pour le développement de la province de l'Équateur. Il reste déterminé à frapper toutes les portes pour atteindre leur objectif, celui du développement de la RDC, particulièrement de l'Équateur. Pendant ce temps, à Tanganyika, l'office de route annonce la fin de travaux de réhabilitation du pont Lualaba dans le territoire Congo. Le détail dans ce reportage de Eurydice Kitutu. Ce pont route rail jeté sur le fleuve Congo avait connu une dégradation avancée. Cet ouvrage, long de 485 mètres linéaires et 122 mètres linéaires de platelage sur sa partie, s'était complètement amorti, rendant ainsi difficile le trafic des personnes nées de leur bien dans la province de Tanganyika. Plusieurs semaines après les travaux de réfection de l'ouvrage, l'office de route à travers la direction provinciale de Tanganyika se dit satisfait de la fin des travaux, tout en saluant l'appui financier de ses partenaires. Commune et financement du Fonds national d'entretien routier FONER, et puis il y a eu un supplément de la direction générale de l'office de route et un appui aussi de la direction générale de la SNCC. Nous disons grandement merci à l'Office des routes et ses partenaires pour avoir réhabilité ce pont. Dans les temps, nous avions des difficultés pour traverser sur certains bois. On tombait même dans le fleuve. Mais aujourd'hui, tout est à l'aise. Merci à l'Office des routes. L'ouvrage étant réhabilité, l'Office de route appelle les usagers à bon usage. Ce camionneur ne pas surcharger les convois, il respecte les tonnages. Cette route d'intérêt provincial relie deux territoires de la province de Tanganyika, Nyunzu et Kongolo. Restons toujours dans les secteurs des infrastructures routières. Les routes sont construites, travaux d'asphaltage évoluent à pas de géant dans le cadre de projet Chilegelou à Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour achever les travaux? Le directeur général de l'office de voirie et drainage, Victor Tumbachikela, était sur place pour évaluer avec Rexet l'entreprise qui exécute ces travaux. Sans suivi permanent, est un travail bâclé, dit-on.
Le projet télégéleux de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à la réhabilitation de 35 km de la voirie urbaine, est une réalité de réalité dans le chef-lieu de la province du Kasaï central. On peut le constater sur l'avenue de la Révolution 1 et 2, avenue Kassavubu, avenue Docteur Étienne Tshisekedi, avenue Dispensaire, Mukenge Chabantu, Bavira ainsi que l'avenue de l'hôpital. Ingénieur Victor Ntumba Tshikela, qui a inspecté le chantier ensemble avec la mission de contrôle, l'exécutant Greg 7, parle ici des avancées significatives. Dans l'ensemble, pouvons nous dire qu'on se situe à plus ou moins 25 à 30% en termes d'assainissement, quand nous prenons l'ensemble des assainissements. Certaines recommandations ont été faites par lui à Greg 7 pour améliorer et accélérer ses travaux. Mais nous avons profité aussi de notre tour de chantier pour donner certaines recommandations en termes de construction des caniveaux, pour que ce qui va être fait, c'est un nouveau projet, mais qu'on tienne compte comment fonctionnent les caniveaux dans cette ville. Présent à cette ronde, Emmanuel Kabukapu, président de la Société civile du peuple, salue ses travaux et sollicite en même temps l'implication de la population. Lorsqu'on disait aux gens hier que bientôt vous allez voir les travaux en Canaral, les autres doutaient. Mais nous venons de faire 8 chantiers, on trouve que réellement les chinois sont en train de faire. Il faut noter que partout on est passé, le directeur général de l'office des voiries et drainage, ingénieur Victor Ntumba Tshikela, a émis le vœu de voir ses travaux se terminer dans le délai. La COVID-19 reste encore d'actualité en RDC. Le premier cas était détecté à Cabinda il y a peu, dans la province de Lomami, pour éviter la propagation dans des territoires environnants. Lubao était sensibilisé aux gestes barrières pour stopper la chaîne des contaminations. En vacances parlementaires, l'honorable député provincial Noumbi Noumbi était à la même occasion lancé l'appel à l'unité, à la paix et aux populations pour une cohabitation pacifique. Reportage RTNC Cabinda. Le chef-lieu du territoire de Lubao a été la dernière étape de la première phase des vacances parlementaires de l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Clovis Noumbi Noumbi. Sa visite dans plusieurs centres et villages a fait l'objet de la liesse populaire de ses électeurs. Partout où il est passé, Clovis Noumbi Noumbi a bénéficié, hormis les encouragements, des objets culturels, des soutiens et pouvoirs, signe des mariages scellés entre lui et sa base. Dans son speech, le vice-président Clovis Noumbi Noumbi a recommandé à ses électeurs le soutien au président de la République en ces termes. Je cite, « Dans l'espace Grand Kassai, le soutien à notre propre frère doit être une option unanime et non un choix pour lui rassurer le deuxième mandat en 2023. » Fin de citation. La sensibilisation au respect des gestes barrières de la lutte contre le coronavirus était aussi l'un parmi les messages importants du deuxième citoyen de l'Assemblée de Lomami. À cette occasion, les matériels chirurgicaux, des laboratoires et autres ont été dotés aux structures de santé pour la bonne prise en charge des malades. L'honorable Clovis Noumbi Noumbi s'est dit content d'être à sa base. Vous savez, dans la vie, il y a de la joie que quand on la partage avec les autres. À partir du moment qu'on se voit, on partage la joie, on doit se rassurer et évidemment la joie existe. C'est l'ambiance qui m'anime en ce moment puisque arrivé au chef-lieu et j'ai été accueilli, c'est pas l'accueil, est tellement délirant que je n'en ai jamais rencontré. Avec ceux qui m'ont mandaté, toute la soirée, toute la journée d'aujourd'hui pour mon arrivée, la cité a été pratiquement paralysée. Nouvelle technologie dans la prise en charge de la santé, l'échographie portable avec smartphone. C'est une nouvelle pratique dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile qui sera d'ailleurs opérationnelle dans les jours à venir en RDC. Quelques personnels médicaux étaient à l'école de formation sur cette nouvelle méthodologie. Bobette Teinga nous explique. Cette formation de 8 jours est la matérialisation du protocole d'accord signé en juillet dernier entre SWAC Corporation et le ministère de la Santé pour la remise à niveau du personnel soignant et la modernisation des structures de soins de santé. Les participants, médecins, sages-femmes et infirmiers venus de plusieurs structures et corporations médicales ont appris la pratique des consultations prénatales numérisées et échographies portables avec smartphone grâce au logiciel SPAC. On a toujours vu l'échographie, les gros appareils qu'on utilise pour l'échographie. Et plus nous, les sages-femmes, on n'en avait pas accès. J'étais vraiment ravie sur l'échographie numérique.
qui utilisent simple téléphone. On a mis les logiciels. C'est une formation très intéressante dans la mesure où elle permet aux professionnels de santé de pouvoir exercer, notamment pratiquer certains examens comme les consultations prénatales, les échographies, mais de façon numérisée et très très rapide. Ce sont des choses pour lesquelles le pays a énormément besoin, surtout dans les milieux où la médecine moderne a encore du mal à exister. Dispensé par des Japonais de Swag Corporation en partenariat avec le Programme national de la santé de la reproduction, cette session entend, comme prévu dans le protocole d'accord, améliorer la prise en charge efficace, rapide à domicile au travers la mise en place d'un service ambulance rapide, mais aussi l'amélioration de la prise en charge de soins de santé maternelle et infantile à travers la numérisation de l'échographie portable, une pratique qui sera développée et vulgarisée par Swag Corporation, une start-up japonaise, à travers sa filiale congolaise. Avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant, nous vous avons donné l'essentiel de l'actualité dans ce journal des 19h, écrit par Emmanuel Commissaire. Nono Mansekou et Patik Pedi l'ont réalisé sous la coordination de Bobette Eyenga. Françoise Bouélaboaki vous revient tout à l'heure à 20h pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Au revoir.